Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux. On va parler de ces clients qui peuvent détruire ton entreprise. En tant qu'indépendant du bien-être, tu as envie d'avoir un maximum de clients et d'aider un maximum. En tout cas, c'est ce que je vois chez les indépendants que j'accompagne. Il y a vraiment cette passion du métier et donc, on refuse pas un client, entre guillemets. On va vraiment chercher à aider un maximum de monde. Sauf que si on a trop de clients, c'est pas un client en particulier qui va te détruire ou détruire ton entreprise. C'est juste que si tu as trop de clients, tu risques de te fatiguer, d'avoir de la fatigue accumulée et tu as en fait des risques de burn-out. Alors, c'est un grand mot, mais c'est des choses qui se voient malheureusement chez les indépendants du bien-être et bien trop souvent. C'est dommage de réussir à en vivre et de devoir fermer son entreprise parce qu'on fait un burn-out, parce qu'on a trop de clients, mais ça arrive. Quand on a trop de clients, qu'est-ce qui se passe? On risque de devenir moins efficace, d'avoir moins d'énergie et donc de proposer un service qui va petit à petit perdre en qualité parce qu'on est de moins en moins en forme en réalité parce qu'on traite, on aide trop de clients. Et donc, à un moment donné, on peut même arriver à un point où on est tellement fatigué qu'on ne peut plus même voir de clients. Et donc, c'est une baisse du chiffre d'affaires, voire une fermeture d'entreprise. Et donc, il faut trouver des solutions à ça. Il en existe. On a parfois besoin de se faire aider ou de se faire accompagner, mais il y a toujours des choses à faire. Peu importe votre situation en tant qu'indépendant du bien-être, il faut éviter de mourir sous une croissance trop importante ou sous un trop grand nombre de clients. Je vous mets en description un lien qui vous permettra d'avoir accès gratuitement à une première astuce pour un peu harmoniser ça et éviter de finir en burn-out, si possible. Vous pouvez aussi retrouver cette astuce directement sur mon site. Vous allez sur la page secret. Et vous aurez accès gratuitement à une première astuce en vidéo qui pourra vous aider sur ce thème-là. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important, et à très vite. Ciao, ciao.